Yeah. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Elle était rentrée. Oh la bâtard. Du coup, aujourd'hui, les gars, on va partir à la salle, faire un haut du corps. Petit update avant la séance, vite fait, bon. Du coup, aujourd'hui, comme je disais, on va faire haut du corps. On va commencer par un compound, un mouvement hybride, etc. On va faire de l'hybride, on va mélanger les styles. Moi, mon entraînement, je l'ai créé moi-même, il n'existe pas. C'est pas un push-pull-leg, c'est pas un upper-lower, c'est pas un full body, c'est pas un split, c'est vraiment tout mélangé. C'est pas du poids de corps, c'est pas de la force, c'est pas de l'endurance, c'est tout mélangé. Moi, vous me connaissez, j'ai envie d'être athlétique. Moi, j'aime les saltos, j'aime l'équilibre, j'aime aller nager, escalader, courir, sauter, être fort, être musclé, être sec, enfin tout quoi, être athlétique, être le meilleur athlète possible en réalité. On pourrait presque comparer ça à du crossfit, mais en fait c'est pas du crossfit parce que le crossfit c'est vraiment quelque chose de très réglementé, c'est à dire qu'il y a certains mouvements qui sont dans le crossfit et d'autres qui n'y sont pas. Moi je mélange tout et n'importe quoi, j'invente mes propres mouvements, j'ai créé mon propre style d'entraînement. Donc là, vite fait, pour vous expliquer un peu le training d'aujourd'hui, le focus ça va être ce qu'on appelle le yoke. Le yoke c'est quoi? C'est les muscles qui vous rendent vraiment impressionnant directement quand vous voyez quelqu'un. C'est ces muscles là, vous dites waouh, le mec est stylé, alors que vous avez même pas encore vu son physique. Donc c'est quoi le yoke en réalité? Ça commence par le cou, ensuite ce sont les trapèzes, ensuite c'est le haut du dos, ce sont les épaules, particulièrement le côté et l'arrière d'épaule, le haut des pecs, le triceps, surtout la longue portion, et les fessiers. Ça, c'est ce qu'on appelle le yoke. Pourquoi est-ce que du coup ces muscles-là sont les muscles les plus impressionnants? Pourquoi est-ce que les muscles du yoke sont les muscles les plus impressionnants? D'ailleurs, pour le yoke, aujourd'hui, je vais utiliser mon Neckflex. Hein, c'est un des nouveaux sponsors de la chaîne. D'ailleurs, Neckflex, merci de m'avoir sponsorisé. Thank you for the sponsoring, guys. En fait, Neckflex, si tu veux, c'est vraiment le meilleur harnais pour le cou. T'as déjà vu ma vidéo sur le cou? C'est ma vidéo la plus vue. Je crois qu'elle a fait plus de 300 000 vues. Je le mettrai à l'écran pour voir combien elle a fait exactement. Mais le cou, c'est vraiment... De base, c'est mon point faible ultime. Et avant même de capter que le cou, ça s'entraînait, je m'en foutais, mais je voyais qu'il y avait un problème, un gros déséquilibre dans mon physique. Donc là, le cou, c'est toujours pas un point fort, mais déjà, il répond beaucoup mieux à l'entraînement qu'avant. Et grâce à mon Neckflex, il répond encore mieux qu'avant. Donc je vais te présenter le Neckflex rapidement dans une autre vidéo plus tard. Je t'expliquerai un peu pourquoi du comment c'est le meilleur, mais aujourd'hui, tu vas juste me voir l'utiliser simplement. Donc, pourquoi est-ce que les muscles du yoke sont les plus impressionnants? Quand tu vois quelqu'un pour la première fois de face, qu'est-ce que tu vois en premier? Sa largeur et qu'est-ce qui se passe au niveau de cette zone-là? Moi, ce que j'appelle la zone de puissance. Moi, ce que j'appelle la zone de puissance, c'est upper chest, épaule, trapèze et cou. C'est vraiment pour moi, c'est ce qui donne tout de suite la puissance. Même si tu as des jambes de merde, etc., ça se voit pas. Tu vois directement ce que tu vois quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, un homme dans les yeux, c'est ça que tu vois. Donc, le yoke, ça commence par le cou, les trapèzes et le côté d'épaule. Ça, c'est ce qui est important de face. Ensuite, quand tu vas te mettre de côté, qu'est-ce que ça va être? La longue portion du triceps, parce que c'est elle qui va donner un maximum de galbe à ton bras, tes trapèzes et ton upper back, l'arrière de ton épaule et tes fessiers pour avoir un 3D au niveau du bas du corps. Après, moi aussi, j'aime beaucoup les ischios. Donc voilà. Donc, ça, ce sont vraiment les muscles principaux si tu veux avoir l'air impressionnant. C'est pas les muscles les plus beaux, c'est pas les pretty muscles, tu vois, les pretty en général, ce que les gens aiment bien, c'est biceps, c'est abdos, c'est ce genre de truc, tu vois, c'est ce que les gens aiment bien, mais c'est pas ce qui te rend le plus impressionnant. Les meufs aiment bien ça, mais c'est pas ce qui te rend le plus impressionnant. Moi, je suis plus pour un physique impressionnant qu'un physique qui attire les meufs. Tu sais, les meufs sont attirées par tout et n'importe quoi. Tu peux être skinny, skinny, skinny juste avec des abdos. Il y a certaines meufs qui vont dire ouais, trop bien, il est... Non, non, c'est pas intéressant. Bref, donc aujourd'hui, la séance, elle va commencer par un mouvement, un triset. Le premier triset, ça va être cou, trapèze et latéral. Justement, pourquoi est-ce que je fais un triset? Parce que j'ai envie de tout taper en même temps. Quand j'arrive à la salle, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Encore une fois, je suis pas bodybuilder, je suis pas crossfitter, je suis pas powerlifter, je suis pas haltérophile, je suis un mélange de tout ça. Donc j'ai pas envie de m'entraîner genre faire un exercice, me reposer, un exercice, me reposer. Moi, j'aime bien faire les circuits, superset, triset, giant set, tout ce que tu veux. J'aime bien enchaîner parce que ça permet au cœur de pomper, donc ça me permet de garder une bonne condition physique, ça me permet de rester bien athlétique, bien endurant justement, sans faire énormément de cardio à côté. Donc tu me vois souvent sur Insta, etc. D'ailleurs, si tu me suis pas, frère, sur Insta, Kylian Sensei, mais tu me vois souvent sur Insta taper ma corde à sauter, taper mes sprints et les trucs comme ça, mais je suis pas un mec qui va courir pour des longues distances, c'est pas mon délire. Donc pour garder vraiment un bon côté cardio, je fais beaucoup de circuit training. Donc premier circuit de la journée, ça va être cou, trapèze, côté d'épaule. Ensuite, on va faire un compound que je vais faire en mouvement opposé, une poussée verticale et un tirage vertical. Ensuite, il y aura une poussée horizontale et un tirage horizontal. Bref, je t'expliquerai tout ça quand on sera à la salle, mais je t'explique rapidement le comment, du pourquoi de mon entraînement. Je te ferai une formation là-dessus en entier. D'ailleurs, je te prépare plein de petites formations qui vont arriver pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Ma gueule, merci d'être là encore. Merci de m'avoir attendu pendant ces 2 semaines où j'étais complètement absent de YouTube. Mon déménagement s'est très bien passé. Là, on arrive, c'est le 15 août, c'est mon anniversaire.
Je compte sur vous, les frères. Le 15 août, c'est mon anniversaire. Je veux un maximum de commentaires. Je veux un maximum de tout ce que vous voulez le 15 août. Sur Insta, vous bombardez tout ce que vous voulez. Bon, bref, je vais aller à la salle. J'arrête de parler. Le pré-workout, il est en train de kicker. Et c'est en train de m'exciter sa mère. Kylan Sensei is going to the gym. On vous voit là-bas, les frères. Le but sur ce Shrek, c'est pas que le sup se loin derrière, on va tirer derrière pour avoir l'inférieur et le moyen avec. Puis après on bouge au latéral, contrôler une seconde en haut, une seconde en haut à chaque fois. Ah, encore trois fois. Pendant que je note mes perfs, d'ailleurs note tes perfs si tu veux bien traquer tes trucs. Je t'explique en balle, neck flex. Je le mets sur ma tête, je chope l'élastique avec mes mains, je peux faire mon neck curl, je peux faire pareil sur le côté, je peux faire pareil derrière, je peux faire pareil devant. C'est mortel, je peux faire ton coucher toi. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos comme d'hab. Donc on commence extension pour la nuque, pour aller chercher l'insertion là, à l'arrière de la tête. Après on shrug, c'est pas droit à la barre, la langue justement elle vient un peu vers l'arrière, prise serrée. Ça permet au lieu de monter tout droit, d'aller chercher un peu sur l'arrière. Donc t'engages aussi trapèze moyen et légèrement un peu l'inférieur. Et après, élévation latérale stricte, côté d'épaule, 4 fois le tour, 1 minute 30 de récup à chaque fois, tricep, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça sert d'échauffement, ça sert de pré-fatigue, comme ça après, tous ces muscles qu'on vient de taper, ils vont encore bien répondre derrière. C'est reparti, tour 2, tu prends ton neck flex, tu le mets sur ta tête. Tu vois, l'avantage du neck flex par rapport aux autres, c'est que t'as plein de D-rings là, un là, un là, un là, un derrière, deux ici pour mettre la chaîne. Mec, ça c'est harnais officiel UFC, NFL, NHL, deux trucs, je te mettrai à l'écran. C'est le meilleur harnais que tu peux avoir sur le marché. Je te mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos. Tu peux taper chez toi, tu peux taper à la salle, tu peux mettre la chaîne qui est fournie avec, t'as un accroche-porte qui est fourni avec. Bref, je te ferai une vidéo entière démonstration sur le Netflix. C'est parti. Là, je prends vachement proche parce que je veux qu'il y ait beaucoup de tension. Je mets ici et c'est parti, 25. C'est trop facile, je vais insérer un peu plus. 6, 7, 8. Allez, c'est parti, bien solide. Je mets pas de ceinture, rien. Je vais utiliser le gainage naturel. 3, 2, 1, c'est parti. Oh yeah, bah. Oh. 11. 12. Ok, nice. C'est bien ça, c'est propre. Une. T'as compris la musique, je me tourne. Ouh, allez, c'est parti. 4, 5, 12. Strict, strict, strict. Surtout sur l'isolation, strict à mort. Difficulté supérieure. Prends, tu mets ton neck flex. Juste le tenir aux mains. Quand tu le tiens à la main, ce qui est bien, c'est que là, par rapport à la courbe, là, il y a une grosse contraction derrière, mais il n'y a pas assez d'étirement. Du coup, pour compenser l'étirement, tu peux le bloquer sous tes yeux comme ça. Hop. Tu mets ça, 1, 2, tu fais attention que ça vienne pas dans ta gueule, tu te mets au-dessus. Extension, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. T'en fais un max comme ça, et après tu finis. Et c'est 11. La suite, traction lestée, développé militaire. Pourquoi les deux ensemble? Traction, tirage vertical, militaire, poussée verticale. On évite les déséquilibres musculaires, on évite les déséquilibres tendineux. Et c'est un mouvement qui se complète bien. C'est comme les développés couchés et les rowing, ça se complète bien. Donc let's go, et on commence par le tirage toujours. Chin, je le fais en supi pour entrer les biceps dedans. Juste 3 pour l'échauffement. Puis après, je vais monter, je vais commencer à lester. Toujours un peu de magnésie. Ça transpire, il fait chaud, c'est l'été. La clim est pas très forte, tant mieux, ça évite d'être malade. Mais vu que ça transpire, magnésie liquide pour éviter de salir la salle. Ok. Donc là, ça va être chin-up lesté avec du push-press derrière. Push-press derrière. Les gens qui disent développer nuque et tout, c'est mauvais, c'est juste qu'ils ont une mauvaise mobilité. Si t'as une bonne mobilité, il n'y a pas de galère, au contraire. C'est même bon pour préserver ta mobilité.
push press, on pousse un peu avec les jambes au départ à la clock off. Ce que je veux dire d'autre, c'est tout. Sors la ceinture de lest, on est parti. Pas lester très lourd aujourd'hui. L'objectif, c'est pas de bombarder. Quand je suis en méga gros circuit comme ça où j'enchaîne tout, faut que je choisisse. Donc il y a de l'intensité, certes, mais je peux pas être à mort non plus ultra intense. Sinon, je suis foutu. Ah putain, par contre, ça va être relou. Ceinture de lest avec ça. Avec le mic. Trouver une solution. Voilà, c'est bon. Là, tu m'entends bien. Et au moins, ça me gêne pas. Donc, passer direct à 20 au lest. Ça verra combien de reps je fais. Je fais que 3 reps pour l'échauffement. Ça va être marrant de passer à 20 direct. Et je fais zéro potentiation. Mon corps, il va rien comprendre. Bon, c'est pas grave. Tant que j'en fais au moins 5. J'ai rien de montre religieuse. La première est peut-être vachement légère. Mais bon, quand on est derrière la nuque, le but c'est pas de surcharger. Pour surcharger, on va devant. Derrière, c'est bon pour la mobilité, etc. Mais je vais éviter de surcharger derrière. Bon, alors, push press relativement large. Ici à peu près, comme si j'avais fait un squat. Je donne un micro squat justement avec les pieds et je pousse et je ralentis la descente. Push press. Je ralentis. Push press. Et je ralentis. Push, presse, ralenti, 3. Je vais mettre un peu plus lourd pour la prochaine. 3 séries. Tac, vu qu'on est secoué de la cervelle, au lieu de se reposer. Glucides en ce moment, j'ai pris des pommes potes au cas où, on dirait un bébé. Allez, c'est parti. Cinq. Putain. Toujours avoir, quand il y a des coups de mou, quand tu manques de sucre, toujours avoir des petites pommes potes comme ça dans ton salle de sport. Ça coûte que dalle, genre 2,60€ les 12. Et quand tu commences à te sentir mal, 12 grammes de glucides dans la gourde, je te jure, ça fait du bien. C'est liquide, ça s'absorbe vite. Tu sens direct le coup d'énergie qui revient. Je suis sans glucides depuis hier. Je suis à 0 grammes. Là, c'est mes 12 premiers grammes de journée. Quand t'es dans l'intensité comme ça, c'est tendu sans glucides, c'est très très tendu. Même si t'as un mental de warrior, c'est tendu. Hop, 30 secondes. Et puis ça te redonne un petit coup de boost. Allez, je me repose encore une minute et je suis reparti. Du coup, là, on reprend sur un tri-set. J'ai fait ma dernière série, je l'ai pas filmé. C'était la plus belle, en plus c'est trop le seum de pas l'avoir filmé. Là du coup, on reprend sur un tri-set. Tirage menton pour trapèze côté d'épaule. Strict, je mets pas lourd. Ensuite, dips, poids de corps. Et ensuite, air delt derrière, arrière d'épaule, aux haltères classiques. Ok, ici, chacun fait selon sa souplesse d'épaule. Si t'es capable, tu vas au-delà du menton. Si t'es pas capable, tu restes en dessous. Tu standardises toi-même ton amplitude. Le but, c'est de faire plus en plus d'amplitude à force. Donc tu fais de la mobilité pour devenir meilleur. Donc ici, strict. Ok, à partir au dips, c'est de l'autre côté de la salle, je t'embarque. Let's fucking go. Oh putain, va se balader un peu toi et moi. Comment tu vas aujourd'hui, beau gosse, tranquille? Tu kiffes le fait que je sois revenu? À vous, tu sautes sur les notifications. Tu vois que le 7C publie une vidéo. Allez, bouge ici, dips. Tu mets en serré, t'as large. Tu vas être un peu plus pec épaule. Tu resserres, tu vas être plus triceps. De là, tu restes relativement droit sans trop pencher vers l'avant. Et la triceps. Voilà. 15. Ok. Et là, on repart là-bas. Ah, ça casse les couilles. Hein. T'as vu quand je t'ai dit qu'on part en voyage, toi et moi? C'est cool. Hein. Allez, on part de l'autre côté de la salle. On va prendre les haltères. Tu verras, je prends méga léger, je prends que 4.
mais je veux un mouvement ultra strict. C'est pour ça. Pose la tête ici. Permet de garder le haut du dos rond. Vraiment focus sur l'arrière d'épaule. Strict. Oh, 15. Putain. Bon, faut que j'arrête d'être vulgaire sur les vidéos là. Ça casse les couilles ça. Merde. Enfin, s'il faut que j'arrête d'être vulgaire, je dis ça casse les couilles derrière. Quel trou de cul. Putain, frère. Quand je suis fatigué, je suis d'une vulgarité. Merci gros. Quand je suis crevé, je suis d'une vulgarité. C'est ridicule. Désolé les gars pour les allers-retours. Hein. La salle elle est mal foutue. Magic Form Plessis Bouchard, c'est pas bon ça. Vous déconnez là. Voilà, il vous déconnez. L'année dernière aux dips, j'en ai fait que 12 à celle d'avant. Mais je les ai grave ralentis. Là, le but, c'est pas la force. Là, c'est la masse musculaire. Là-dessus, donc contrôle du début à la fin. À peu près 2 secondes sur la descente, on repousse en mode explosif. C'est parti. 1, 2, psh. Faut repartir à l'autre bout du monde. Oh putain, 12 grammes de glucides dans le sang pour faire tout ça, c'est pas idéal, c'est vraiment pas idéal, mais bon. 13, 14, oh 15, oh putain, allez. Donc rowing unilatéral, faut pas mettre très lourd. Un entraînement sans rowing, c'est pas un entraînement. Le dos, faut le travailler tous les jours. Chaque entraînement, faut travailler le dos, c'est ultra ultra important. Je les croise, au lieu de les mettre comme ça, je les croise. Comme ça, la résistance, au lieu de venir de tout droit, elle vient un peu du côté. Ça fait un meilleur stretch. On commence par le bras faible. Première fois que je vous le montre, ça, c'est un de mes mouvements. Un de mes moves secrets. Double kickback à la poulie haute. Donc, t'es là. Tu prends ici. Tu prends. Si tu te cales comme ça dans l'axe, faut que la poulie soit dans l'axe de ton avant-bras, que ça fasse une ligne droite. Là tu serres tout derrière, tu mets un kick loin, tu reviens ici. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Strict. Et 20. J'en peux plus. Tu sais quoi? Pendant le temps de récup. Abdos. Et ouais les gars, faut être une machine de guerre dans la vie. Allez, abdos, debout, poulie, ici. Que à la taille, que la taille qui plie. Que la taille qui plie. Et on se repose une minute, on est reparti. Si t'as pas de double poulie comme ça serré à ta salle, c'est pas une galère. Tu ferais un bras par un, c'est pas la mort. Tu viens comme ça. Prends ta poulie, tu remets ton poids de triceps, pas d'abdos hein, quand même. Ok, tu prends ta poulie, tu la remets dans l'axe de ton avant-bras. Donc tu veux que quand t'es comme ça, ça fasse une parfaite ligne droite entre le câble et l'avant-bras. Et là du coup tu viens kicker loin derrière. Tu peux le faire comme ça si t'as une seule poulie ou si tes poulies elles sont trop éloignées l'une de l'autre. Je vais le faire comme ça pour que tu vois bien. Et tu kicks loin derrière. Je fais à la fin de chaque séance, c'est de la décompression vertébrale. Donc des fois, tu peux me voir utiliser mes gravity boots, mes bottes de gravité, là où je me mets à l'envers, je m'accroche par les pieds. Mais ça prend de la place, faut pouvoir les emmener avec soi à la salle et tout, des fois ça casse les couilles. Le plus simple, ça reste d'aller à la machine, au tirage vertical, au lat pull down. Moi je mets toute la machine. La chance que j'ai ici, c'est qu'elle monte à 134 kg. Ce qui est vraiment, vraiment bien, 134, parce qu'il y a 134 kg qui va me tirer vers le haut. Donc c'est vraiment top. La seule misère, c'est vraiment de passer en dessous. Donc déjà, ça tu mets quasiment le plus bas possible. Et ensuite tu viens choper à l'extérieur de la largeur d'épaule, vraiment juste à l'extérieur, va pas prendre trop large. Le but c'est pas de prendre le plus large possible. Et de là tu viens essayer de te caler sous le truc, donc c'est misère quand il y a 134 kg et que t'en pèses que 80. Mais tu trouves une solution, tu cales tes jambes, tu demandes à quelqu'un de t'aider. Moi je cale mes jambes et je laisse tirer.
Enfin, il y a plus que 134 parce qu'il y a un mec qui a rajouté des poids en plus. Donc je te montre comment je fais pour commencer. Tu mets pas tout de suite le max de ta machine au départ. Bon, déjà, j'enlève les lestes en plus là qui servent à rien, ils sont lourds. Tu commences, je vais te montrer avec 100 par exemple. Tu commences avec 100. Tu commences avec, je sais pas, 120% de ton poids de corps à peu près. Ouais, 120% du poids de corps, c'est pas mal. Parce que quand tu te suspends juste, ça manque de. Ça manque. Tu peux mettre une ceinture de lest. Des fois, je fais ça. Je mets genre 60 à 80 kg à ma ceinture de lest. Puis je me suspends à la barre. Les flemmes. Quand la machine elle est dispo, je prends la machine. Je fais un petit leg curl. Essaie de t'asseoir. Voilà. Et quand t'es là, tu laisses tirer. Et toi, t'inspires, t'expires. Le mieux, c'est d'avoir des grips. Ok, tu laisses bien tirer. Tu fais ça à chaque fois, à la fin de ta séance. Tu verras le bien de ouf que ça fait à ton dos. Mais pas trop lourd dès le début. Commence tranquille, 120% de ton poids de corps, et après tu montes. Pour faire du lait de muscle, il te faut du lait. Déjà, le lait de muscle, d'où le nom m'est venu. Je sais pas, un jour, il y a un pote qui m'a dit « Ouais, j'en ai marre d'éjaculer mon jus d'homme. » Mon jus d'homme, et en fait, son jus d'homme, bah, c'est simple, c'est son sperme, tu vois. Et je me suis dit, c'est marrant, du jus d'homme. Et je me suis dit, bah là, il y a du lait, c'est pour faire du muscle. Donc, on va appeler ça du lait de muscle. Donc, pour faire du lait de muscle, il te faut les ingrédients essentiels, essentiels pour le lait de muscle, c'est du lait, de la prote, du lait, de la prote. Ça peut être caséine, ça peut être whey, ça peut être hydrolysé, ça peut être isolate, peu importe. Tu peux rajouter... Attends, d'abord, je te finis, excuse-moi. Les essentiels, c'est le lait, pour bah, le non-lait, la prote pour le muscle, et le miel pour un peu de glucides bien comme il faut, des bons, 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 bons glucides. Et ensuite, tu peux rajouter des trucs. Donc moi, je rajoute de la créatine. Je rajoute... Où est-ce qu'elle est? Elle est où, ma gluta? Je rajoute de la glutamine pour la récupération, la créatine, et je rajoute maca également. Je rajoute aussi... de la cannelle, excellent pour les taux de sucre sanguin. Tu peux rajouter du cacao, tu peux rajouter enfin après tu vois par rapport à tes calories, par rapport aux macros que tu veux taper, etc. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est prot, lait, miel. Hop, alors moi je te montre mon lait de muscle. Mon lait de muscle se compose de, on commence par une simple banane. Putain, celle-là elle commence à mourir. Quand elles sont comme ça, je peux pas les manger, genre, tu vois, c'est dégueulasse, on dirait. Mais quand elles sont comme ça, j'adore les manger comme ça. Celles-là, je les mixe, celles-là, je les mange. Et quand elles deviennent trop violentes, trop violemment pourries, bah, c'est pas compliqué. On ne gâche jamais, 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 jamais. Tu les congèles, ça te fait des bananes congelées. Si tu veux te faire de la glace à la banane, si tu veux te faire des smoothies bien, bien frais, tu peux le faire avec ça. Donc là, je commence avec une banane. Pour les glucides, donc il faut savoir, bon, là j'ai pris une pomme pote pendant l'entraînement, mais de base je suis à 0 g de glucides là, donc ça va être mes premiers glucides de la journée. Donc hop, regarde comment elles sont quand elles sont comme ça. J'ai même pas de la banane. Ok, 116 g de banane. Hop, tu verras ce qu'il y a sur les WAD. Vraiment, quand elles sont comme ça, en goût, à manger, c'est dégueulasse, je trouve. À boire, c'est bon. Donc, hop. Ok, et là je vais commencer à rajouter toutes mes poudres. Donc, 115. La glutamine, ça va être 5 grammes, excellent pour la récupération, surtout si tu fais du jeûne, jeûne intermittent, etc. C'est pas mal de reprendre, casser ton jeûne avec un peu de protéines et de glutamine. Après, la créa, autant la mettre maintenant. Pourquoi je me ferais chier à la prendre plus tard alors que je peux la prendre maintenant, hein? Hein, ça, c'est vraiment con. On part aussi sur 5 grammes de créa. Allez là. Voilà. 5 grammes de créa, clac, 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 ça c'est fait. On part sur maca, 10 grammes. Ah, maca, c'est super food, un des ingrédients magiques. Excellent pour plein de choses. Oh, 10 grammes, pile poil. Putain, quel homme, quel génie. Ok, cannelle, ça c'est à l'œil, tu fais comme tu veux. Moi j'en mets beaucoup parce que je kiffe trop ça et que c'est tellement sain pour la santé. Hop, ensuite, ta prot. Tu mets ton grammage par rapport à tes besoins, t'es pas obligé de mettre comme moi. Moi je vais mettre 40 grammes. Ce qui suffit largement. C'était pas un full body aujourd'hui, j'ai pas tapé les jambes. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher un apport en prot de baiser tout de suite après le training. Voilà, 40 grammes, parfait. Donc pour l'instant, ce que je pèse, c'est 115 grammes de banane, les glucides, 40 grammes de prot, le maca 10, la miel, ça va être 10. Voilà, hop, finalement c'est 12. Et lait, ça va être 300 à peu près, entre 250 et 300. Tu fais selon si t'aimes plus liquide, plus épais, etc., etc. Tu fais selon tes goûts et selon tes macros, encore une fois, tes macros, tes calories, tes besoins à toi. Tu fais pas comme moi. Tu peux t'inspirer de la recette, mais ne fais pas comme moi, ça sert strictement à rien. Et du coup, ce sera 270. De là, hop, tu viens machiner, le fermer, clac, tu prends ton truc
ce qu'on voit là. Ouais, 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 à peu près. Clac, clac, tu viens dans ton mixeur, boum, tu mets. Tu laisses tourner. En attendant, tu ranges tes affaires. C'est fait. On ne gâche pas, comme dit mon pote Mamadur, faut pas niquer le bénef. Donc même la lame, tu la lèches. Mec, comment c'est bon, putain. Tu lèches ta lame. Et voilà, ton lait de muscle est prêt, mon pote. Du coup, j'ai fini ma séance. Je me suis étiré, j'ai pas filmé l'étirement. Je te filmerai la prochaine fois. Quelques étirements que tu peux taper. Comment c'est bon, sa mère. Mon frère ou ma soeur, si t'es une meuf, merci d'avoir regardé cette vidéo. Killian Sensei out. Je vais aller me reposer in 3, 2, 1. Il est doué. Il est vraiment très doué, Killian Sensei. Salut, YouTube.